Salut tout le monde, c'est Jack Tarsonis, c'est donc encore un petit test pour vous montrer que sur Minecraft ça se passe bien aussi. Donc ça va être très rapide, hein, je vais pas me casser la tête plus que ça. Tiens, on va mettre le monde du walk. Voilà. Que dans ce monde. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le remettre à jour. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc apparemment ça vous j'ai eu deux personnes qui m'ont dit vas-y c'est bon ça gêne pas que Fable tu sors des vidéos de 15 minutes. De toute façon comme j'ai dit si j'en sors deux par jour au final ça sera peut-être même mieux. Vous taperez plus d'intro mais au final vous aurez plus de temps de vidéos à regarder. Pour ceux qui ont eu du temps pour les regarder. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui. Les encodages, c'est super rapide. C'est hallucinant. Je sais pas si vous vous rendez compte que je passe quand même d'un truc qui encodait en 2-3 heures, un PC qui encode en 20 minutes, un truc comme ça. Voilà, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre, hein. Ça parle de soi. Donc, de même. Pour ceux qui... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les ombres à la con. Faudra que je re-télécharge le mode qui permet de virer le brouillard en bas, parce que c'est vraiment chiant. Putain, il me fait mentir, là, ça ralentit les FPS. Oh! Ça va être parce qu'il est en train de charger tout le monde, en fait. Oui, bah voilà, maintenant ça rampe plus, si, oui, bon. J'ai pas un minecart parce que pour remonter... Ça va être chiant. Non, y a pas de quoi. Ok, y a pas du fer qui traîne. Merde, pourtant il tombe. Bon, on va remonter à la main. Hein. C'est bizarre qu'il y ait des petits frises, ça doit. Parce que franchement, sans fraps. Bon, putain, c'est incroyable. Parce que je vous dis franchement, sans fraps, j'ai testé hier, mais. J'avais le machin, il était à 150 FPS, complètement craqué de la vie. Pas de problème. Et là, avec Fraps qui veut le maintenir à 30 FPS, ça déconne. Il y a des bruits chelous. Ah, c'est des bruits de slime, j'imagine. Bref. Oh, bah il fait nuit en plus. Ah, ça fait longtemps que j'étais pas revenu ici, tiens. J'avais oublié la sonnette aussi. Ah, bah j'avais quasiment tout oublié en fait. Mais c'est bizarre qu'il y ait des ralentissements comme ça. Bon, remarque, je fais quand même tourner un ou deux trucs derrière, mais bon. Je trouve ça quand même bizarre. Bref, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, donc avant, je pouvais pas utiliser Avidemux. Donc Avidemux, c'est un logiciel qui permet de comment ça s'appelle? D'encoder les vidéos. Ça fait vraiment juste l'encodage, ça fait pas le montage ou quoi que ce soit du genre. Et donc, je pouvais pas utiliser avant sur mon ancien ordi parce que putain, ça ramait total. Enfin, ça ramait total, ça buguait total plutôt. Et donc du coup, j'ai testé là et ça marche. Donc le principe du truc, c'est que ils permettent de faire les encodages vraiment vraiment optimisés, on va dire. Je peux garder un bâton à la con. C'est-à-dire qu'il vraiment il vous arrangera tout le truc aux petits oignons pour que ça marche vraiment nickel de chez nickel, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver avec une vidéo HD qui fera bah tiens pour Borderlands en gros la vidéo pourrait très bien faire genre 400 émaux, quelque chose comme ça, même pas suivant si ça marche bien. Mais après ça peut je peux aussi me retrouver avec un fichier du genre de 1 giga
pour 4 fois rien de temps. Mais s'il fait ça, en théorie, c'est qu'il y avait vraiment besoin de ça pour que la qualité soit nickel, qu'il n'y ait pas un poil de pixelisation ou quoi que ce soit. Donc, quand même, pas mal. Voilà, que dire d'autre. Pour ceux qui se demandent est-ce que je referai un jour une série sur Minecraft, c'est possible, j'envisage un peu. Voire même de continuer celle-là, peut-être, je sais pas. Mais il faudrait que je règle le problème des FPS qui se pètent la gueule, là, quand même, c'est bizarre. J'ai dû changer une option qu'il fallait pas. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Zut. Ouais, bon, si j'avais quelque chose d'autre à dire, c'est que ça devait pas être important. Sinon, j'aurais pas oublié. Bref. Bon. Moi, je vous dis à plus tout le monde. Mangez les pommes, veuillez les, portez-vous bien. Passez sur test.com et matest.exoit.fr et à la prochaine. Salut.